12 remèdes naturels pour les maux de gorge. Se gargariser avec de l'eau salée 3 fois par jour prévient le risque de souffrir d'infections de la gorge et des voies respiratoires. Les maux de gorge sont tellement désagréables et nous empêchent de penser à autre chose. Notre état de santé s'affaiblit et nous ressentons une douleur aiguë en avalant la salive ou les aliments. Et même en respirant. Cette douleur peut être l'annonce d'une grippe, par exemple, ou d'une angine. Afin de se soigner efficacement et soulager rapidement ces maux de gorge, n'hésitez pas à avoir recours à ces remèdes naturels. Les meilleurs remèdes de maison pour soigner les maux de gorge. Ils sont tous très simples et se préparent avec des produits que vous avez certainement dans vos armoires ou dans votre réfrigérateur. Sinon, vous les trouverez facilement en faisant votre marché. Le piment de Cayenne. Faites plusieurs fois par jour des gargarismes avec une solution que vous obtiendrez en mélangeant 1/8 de cuillère de piment de Cayenne à une demi-tasse d'eau chaude. Veillez à ne pas ajouter trop de piment de Cayenne car celui-ci est très fort. Mettez une cuillère à café de sel de table dans une tasse d'eau tiède. Faites des gargarismes avec cette préparation environ toutes les heures. Le vinaigre de pomme. Mélangez 2 cuillerées de vinaigre de pomme à une tasse d'eau chaude. Laissez refroidir un peu, utilisez-le aussi chaud que possible, si vous le supportez, et faites des gargarismes toutes les heures. Le thé au gingembre. Pour qu'il fasse de l'effet, il faut qu'il soit fraîchement râpé. Calculez une quantité équivalente à 3 cuillères à café de gingembre par tasse d'eau bouillante. Ajoutez un sachet de thé et une cuillerée de miel et laissez reposer environ 5 minutes. Une infusion de thym. Cette infusion va calmer votre mal de gorge en à peine quelques minutes. Préparez-la à raison d'une cuillerée de thym séché par tasse d'eau bouillante. Filtrez ensuite, laissez refroidir un peu et faites des gargarismes. Un thé au citron avec du miel. C'est l'un des remèdes les plus connus, et facile à préparer. Il nous faut simplement 2 cuillerées de miel et 1 cuillerée de jus de citron par tasse d'eau bouillante à laquelle on ajoute un sachet de thé. Laissez refroidir un peu et buvez lentement, votre douleur va vite se calmer. Une infusion de racines de réglisse pour les maux de gorge. Préparez une infusion avec 1 ou 2 morceaux de racines de réglisse par tasse et buvez-en une gorgée. Vous pouvez aussi préparer des sachets de thé à la réglisse ou bien mâcher un peu de réglisse pour que votre salive véhicule son effet calmant à votre gorge. Faites bien attention à ne pas y avoir recours très souvent parce que la réglisse fait monter la tension si on en consomme trop. C'est pour cette raison qu'elle est déconseillée aux femmes enceintes ou aux personnes qui souffrent d'hypertension. Les clous de girofle. Vous pouvez mâcher quelques clous de girofle pour calmer la douleur intense qui se produit en avalant la salive et qui est caractéristique des maux de gorge. Nombreuses sont les propriétés du thé vert qui sont bienfaisantes pour notre organisme. Dans ce cas précis, il soulage les maux de gorge si on le boit chaud ou tiède. Vous pouvez aussi faire des gargarismes avec cette boisson qui combat quasiment toutes sortes d'infections. Le bicarbonate de soude et le sel. Mélangez une demi-cuillère de bicarbonate de soude à une demi-cuillère de sel dans une demi-tasse d'eau tiède. Faites des gargarismes avec cette préparation plusieurs fois par jour. Cette infusion a la propriété, entre autres, de calmer les maux de gorge.
Elle possède également un effet relaxant. La camomille soulage les maux d'estomac et nous réconforte les jours de grand froid. De plus, elle a très bon goût. Pour pouvoir freiner l'infection de la gorge, faites des gargarismes avec de l'eau oxygénée, à 10 volumes. Si vous lui trouvez trop mauvais goût, vous pouvez la diluer dans de l'eau, à quantité égale. D'autres recettes maison pour soigner les maux de gorge. Faites bouillir 3 feuilles de citronnier par tasse d'eau pendant 10 minutes environ. Retirez cette décoction du feu et ajoutez-lui une cuillerée de miel. Buvez-la très lentement avant qu'elle n'y refroidisse. Vous pouvez également faire des gargarismes 5 fois par jour avec du jus de citron mélangé à de l'eau ou à du miel. N'oubliez pas de vous laver les dents après les gargarismes afin d'éviter les effets nocifs du citron. Préparez un cataplasme avec une cuillerée de feuilles séchées de camomille et 2 tasses d'eau bouillante. Faites-les bouillir pendant 5 minutes et trempez-y un linge ou une compresse. Essorez-le bien et appliquez-le sur votre cou jusqu'à ce qu'il refroidisse. Faites-le plusieurs fois par jour. Préparez un milkshake avec une cuillerée de miel pur, une tasse de pépins de grenade, une tasse de yaourt écrémé, une demi-tasse de mûre bleue et une tasse et demie de banane coupée en rondelles. Mixez tous les ingrédients jusqu'à ce que vous obteniez un milkshake d'une consistance homogène, buvez-en 2 fois par jour. Mettez dans une tasse d'eau tiède une mesure de whisky et faites des gargarismes dès que vous en sentez le besoin. Coupez un oignon en rondelles et mettez-le dans un demi-litre d'eau. Ajoutez-y 3 cuillerées de sucre et laissez macérer le tout pendant 12 heures. Buvez en une tasse toutes les 2 heures jusqu'à ce que votre gorge cesse de vous faire mal. Préparez un jus avec 2 carottes, 4 brins de céleri, 1 gousse d'ail et 1 quart de fenouil. Mixez-les bien et buvez-en 2 fois par jour. Faites bouillir à feu doux 25 g de fraises, 700 ml d'eau et 30 g de feuilles de fraisier durant 15 minutes. Ajoutez-y une cuillerée de miel. Filtrez ce mélange et versez-le dans un récipient étanche et placez-le au réfrigérateur. Faites des gargarismes toutes les 45 minutes. Lavez et hachez un bouquet de persil, un oignon et une gousse d'ail. Mixez le tout pour obtenir un mélange homogène et prenez-en un verre par jour.